Budapest, András Hídon. C'est ici qu'il y a l'avenue la plus importante de Budapest qui est assimilée souvent aux Champs-Élysées. Sur cette avenue se trouvent les Beaux-Arts de Budapest. C'est une institution supérieure où les peintres et les sculpteurs les plus éminents ont appris leur savoir. Voilà le bâtiment. Vous voyez des deux côtés, il y a un petit théâtre. Et nous continuons sur l'autre côté, le bâtiment des Beaux-Arts de Budapest. C'est avec cet édifice et c'est avec cette institution que l'opéra va faire un travail artistique avec les jeunes talents que le jury va trouver assez rapidement.